canarder. On va les canarder, canarder, canarder. On va les canarder, canarder, canarder. On va les canarder, canarder, canarder. On va les canarder. Wesh les sangs, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'étais en train de dormir et je vois un truc sur Twitter qui m'interpelle. Là, je fais l'accent marseillais forcé, vous pouvez le dire dans les commentaires. Bref, tu as vu, je me baladais sur Twitter, au KLM, sans précédent de détermination, et je vois un truc qui m'a fait délirer et qui m'a dit, mais ce truc, franchement, c'est de la gaminerie totale. Je t'explique la situation. Tu as vu, hier, on s'est qualifié en finale, enfin avant-hier. Parce que comme je te tourne la vidéo le 4, mais elle sortira le 5, du coup, ça sera avant-hier pour vous. Tu as vu, on s'est qualifié pour l'Europa League, la finale, contre l'Atlético Madrid, quand on jouera chez Olas. Eh bien, il y a monsieur Benjamin Mendy, voilà, notre ancien défenseur de l'OM, qui a tweeté Jean-Michel Olas, je sais plus si c'est ça, son tweet, je peux avoir de place pour la finale, s'il te plaît, avec un cœur. T'as vu? Bon, jusque-là, rien d'anormal. Mais, là, tout à l'heure, l'OL, sur son compte Twitter, a mis un communiqué de presse. Un communiqué de presse, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un texte que le club, que toute l'entreprise envoie à la presse, un article avec. Du coup, je vais vous le lire. Communiqué de l'OL. Depuis quelques jours, une polémique violente à l'égard de l'institution sportive olympique lyonnaise et son président se développe sur les réseaux sociaux, en particulier d'indispensables et dangereux. Propos invitant à venir tous casser, entre parenthèses, au Groupama Stadium dans la perspective du 16 mai, jour de la finale de la Ligue Europa. Un footballeur international français, jusque-là on ne sait pas qui c'est, joue en Angleterre, on ne sait pas qui c'est, est même venu prêter sa voix et prodiguer des encouragements aux appels individuels comme ceux émanant des groupes de supporters irresponsables pour casser. Bon, vous pouvez dire Benjamin Mendy quand même. Voilà, wesh. Devant le danger résultant de ces comportements inadmissibles, l'Olympique Lyonnais a décidé dès à présent de saisir le parquet du tribunal de grande instance de Lyon d'une plainte pour provocation au délit des destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes. L'Olympique Lyonnais s'exprime avec l'espoir que chacun soit ramené à la raison. Du coup, là, bon, Benjamin Mendy n'a rien fait de grave. Il demande juste deux places pour la finale. C'est de la taquinerie. Est-ce qu'il y a un truc de dangereux dans ce qu'il a demandé? Tu peux me dire, Jean-Michel Aulas, quand même le sang. Le sang, putain. Tu fais n'importe quoi là. Tu as perdu la tête. Hein. C'est pas ce qui t'arrive en ce moment, mais tu as perdu la tête. Venez-nous, nous on a Jacouille, héros. Il est calme, c'est un président de la force tranquille. Voilà, il est venu, ça fait un an et demi, on a une finale d'Europa League. C'est pas beau ça? Bref, on n'est pas là parce que Olas il va protéger contre moi maintenant. Et la carte froide et tout, on va avoir des problèmes. Bref, le souci là que je me pose, c'est pourquoi toi, maintenant je vais te tutoyer Olas, Jean-Mimi. Pourquoi tu dis, pourquoi tu prends à cœur que nous, on va aller tout casser chez toi? Au Groupama Stadium. C'est comme moi, le hater Nabil. Il me dit, je vais te brûler ta maison. Ça fait 3 ans j'attends qu'il brûle ma maison. Il me dit, allez, demain j'arrive, je vais te brûler ta maison. Est-ce qu'il a fait V? Je suis chez moi, c'est pas brûlé. Les murs, ils sont blancs et tout, tranquille. Toi, Jean-Mimi, tu prends tout au premier degré. Alors que ça, tout ça, c'est du second degré. Tu vois le sens? On dirait que nous, on a la force d'aller tout casser. Nous, on préfère regarder le match à Lyon, que tout casser. On va pas venir, c'est pas mort, le stade. Nous, on est juste là pour regarder le match. Tu vois le délire, le sort. Du coup, ta plainte, elle sert strictement à rien. Parce que, franchement, vous êtes des gamins. Toi, l'OL et tout. Alors là, je vais parler à tous les supporters de France. La team OL, la team OM, la team PSG,
la team Anava Genga, la team Nice, la team Monaco, la team 3. Vous en pensez quoi de l'attitude en ce moment même de Jean-Michel Aulas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, franchement, ça m'inquiète vraiment. Les Lyonnais, avec tout le respect que j'ai pour vous, franchement, votre président, il vous fait honte en ce moment. Il vous fait honte, votre président. Moi, j'aurais honte d'avoir un président comme ça. Si Jacques Auréole était comme ça, putain, j'aurais honte. Enfin bref, les sangs. C'était juste pour te dire que l'OL porte plainte contre Benjamin Mendy. Et la team OM, OM pour au tribunal de grande instance de Lyon. Allez. Allez, moi je t'embrasse le sang. Allez l'OM, on va les canarder à Lyon. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et un grand merci pour les 4900 abonnés. Franchement, vous assurez. Gros bisous à vous. Allez, ciao les sangs. Surtout abonne-toi, like, commente, partage. Allez, ciao les sangs.